Salut les amis, c'est Zachary. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un incontournable. Je vous présente l'ampli Yamaha THR2. C'est un ampli nomade de luxe. Il est destiné à la pratique quotidienne de votre instrument, mais il est tellement qualitatif que vous voudrez l'emmener partout. Il vous offre 15 modèles d'ampli guitare de tout style, 3 modèles pour basse, mais également 3 modèles pour guitare électroacoustique ou autre instrument. Mais ce qui est fou, c'est qu'il fait également multi-effets. Vous allez pouvoir combiner des chorus, des flangers, des trémolos avec des reverbs et des délais. Comme sur de vrais amplis à lampe, on va y trouver un potard de gain et un potard de volume indépendant. Puis on y trouve également 3 potards d'EQ. Avant de vous présenter toutes les autres fonctions de ce petit bijou, si on se concentrait d'abord sur son usage principal, faire sonner votre guitare. On va essayer ensemble 5 modèles d'ampli parmi les 15 au choix. On va faire ça en partant des modèles d'ampli les moins saturés jusqu'aux plus saturés. Et c'est parti pour un modèle clean. On enchaîne avec un modèle crunch. On passe sur le modèle lead. On arrive ensuite sur du high gain. Et on termine sur le modèle spécial. Incroyable, c'est fou comme cet ampli est polyvalent. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le coffre et la chaleur de cet ampli. Allez, tiens, on découvre ensemble un modèle basse. J'adore. Et pour terminer, on essaye ensemble un modèle pour guitare électroacoustique. Oh yeah! Maintenant, on enchaîne en découvrant la partie multi-effet de l'ampli. Je vais donc repasser sur un modèle clean en y ajoutant cette fois un chorus et un écho. J'essaie ensuite un trémolo et une reverb hall.
Je passe sur un mode lead, j'y ajoute un flanger, un écho et une reverb. Vous pouvez créer le son de vos rêves. Si un son que vous avez créé vous plaît, vous pouvez bien sûr le sauvegarder pour le retrouver beaucoup plus facilement. Grâce à une application disponible sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pourrez piloter votre ampli en Bluetooth. Vous pouvez donc éditer vos sons à distance sans même toucher votre ampli. L'application vous offrira même des effets de précision comme des compresseurs ou des noise gates. En plus d'être un super ampli, la Yamaha TH-R2 vous offre un véritable son hi-fi de qualité. C'est donc idéal pour lire vos backing tracks d'accompagnement pendant que vous faites des solos ou tout simplement mettre de la musique. Grâce à une sortie USB, vous pouvez connecter votre ampli directement à votre ordinateur et l'utiliser comme interface audio. Et oui, c'est la carte son parfaite pour votre guitare. Bref. Qu'est-ce que cet ampli ne fait pas ? Sur ce, les amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Woodbrass pour plus de contenu et à venir me suivre sur mon Instagram. Et je vous dis à bientôt !